Alors la force et la particularité des accords OPS à l'hôpital de Roubaix, c'est que ce sont des accords locaux qui ont été construits en partenariat avec les organisations syndicales et la direction, ce qui implique qu'on assume collectivement les décisions, les mesures, les leviers qui sont pris, qui sont activés dans le cadre de ces accords locaux. Le fait d'avoir des accords locaux, ça nous permet aussi de répondre à des réalités qui sont des réalités locales, qui sont des souhaits qui émergent des équipes, des éléments qui nous sont montés et d'adapter la réponse qui est faite aux besoins particuliers des agents du centre hospitalier de Roubaix. La fonction publique hospitalière a une grande caractéristique, c'est que à 78 à 80% elle est composée de femmes. Et les femmes en France, elles sont souvent celles qui assument la charge familiale, elles sont celles qui assurent aussi la charge en tant qu'aidant de proches qui peuvent être souffrants d'une maladie grave, des parents, des conjoints, où elles peuvent et elles sont parfois aussi malheureusement les principales victimes des violences intrafamiliales. Le fonds du temps solidaire, c'est un fonds de solidarité entre l'ensemble des agents du centre hospitalier de Roubaix qui permet à chaque agent de faire un don anonyme, au fond, qui redistribue ensuite les jours à celles et ceux qui peuvent en avoir besoin lorsqu'ils sont confrontés à une situation particulièrement difficile.